Yves, on parle de Belle-Louise Mabon qui avait été arrêtée après un très bon début d'année. Oui, elle a eu un petit souci de santé, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas revue. Elle a fait deux courses de rentrée attelée, on va dire ni bien ni mal. Là, elle est plutôt montée en condition. Le lot, il y a quand même pas mal d'étrangères, donc ça relève la condition, mais elle est pas mal. Et la bonne Belle-Louise peut prendre une 4-5e place. Bon, vous entendez, elle monte gentiment en puissance sans être encore à 100%. Je sais pas celle à 100%, mais elle a peut-être pas non plus le jeu de jambes de certaines juments qui ont couru beaucoup. Mais je trouve qu'au travail, elle est sur la bonne voie. Bon, ce n'est pas l'engagement du siècle non plus. Elle fait partie des moins riches. Bah, elle fait partie des moins riches parce que justement, elle a été arrêtée 6 mois. Donc voilà, le manque de gains se trouve là. Sinon, elle aurait couru toute l'année. Je pense qu'elle serait pratiquement au plafond des gains. Donc la condition n'est pas si mal que ça. C'est plutôt le fait qu'elle est. Elle a deux parcours attelés où elle est un petit peu plus délicate qu'autre montée. Donc voilà, c'est ce qui me donne un peu de réserve. Est-ce qu'on commence à s'en méfier, Yves, ou on attend encore un peu? Je vous dis, la bonne Belle-Louise vaut un lot comme ça. Donc 4e, 5e ne me surprendrait pas du tout.